Alors, selon les gardiens de la Révolution, il y a donc des dizaines de drones qui ont été lancés contre Israël, mais aussi des missiles balistiques de précision. Selon les médias iraniens, il y a eu plusieurs vagues de drones qui ont été lancés depuis maintenant 2 ou 3 heures. Des drones qui ont mis du temps pour arriver jusqu'au territoire israélien. On parle de plusieurs centaines de drones, entre 400 et 500 drones, et de nombreux missiles balistiques de précision qui ont été lancés ensuite dans une seconde vague, pour frapper différentes cibles en territoire israélien. Dans le même temps, il y a aussi des alliés de Téhéran dans la région, notamment le Hezbollah libanais, les milices chiites irakiennes ou les Houthis au Yémen, qui ont également lancé, donc après le coup d'envoi par l'Iran, également lancé des drones, mais aussi des missiles, notamment le Hezbollah libanais ou les milices chiites irakiennes ont lancé des missiles contre Israël. Donc c'est une attaque d'envergure qui a été organisée à la fois par Téhéran, mais aussi ses alliés dans la région contre l'État hébreu.